La synesthésie, qu'est-ce que c'est? Alors bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de parler de la synesthésie assez en profondeur, notamment scientifiquement. Donc la synesthésie, ce mot assez inconnu finalement pour pas mal de gens, même si le phénomène reste connu, entre guillemets, puisque pas grand monde sait ce qu'est réellement la synesthésie. Finalement, il y a pas mal d'erreurs qui se font, ou des définitions très réductrices, alors que, bon, en réalité, c'est un sujet très vaste. Avant de continuer, je me présente, je m'appelle Benjamin Rodriguez, je suis artiste peintre fraîchement débarqué sur YouTube. Vous découvrirez sur ma chaîne mon univers onirique en peinture, avec également mes processus de création, des tutos à l'avenir, et également d'autres sujets sous forme de vlog ou documentaire, car j'aime aussi d'autres choses que la peinture, mais voilà, cette chaîne est principalement dédiée à l'art et à la peinture plus précisément. Je tenais particulièrement à faire une vidéo sur la synesthésie en vous expliquant le mieux possible car c'est un sujet qui me touche. Je suis moi-même synesthète graphème couleur. Alors tout le monde, quand on dit synesthésie, tout le monde pense à couleur. C'est normal puisque c'est justement la synesthésie graphème couleur qui est le plus répandue et la plus connue. Mais vous allez voir que c'est bien plus vaste que cela. À la fin de la vidéo, je vous présenterai mon expérience synesthète avec une tentative de représentation synesthésique sur un morceau de rock, avec en bonus une petite démo de batterie. C'est parti, on commence avec une petite introduction. La synesthésie est quelque peu connotée péjorativement, malheureusement, car elle est hors norme. Ce qui est hors norme, malheureusement, est parfois assez mal vu. Et peut-être que la communauté scientifique n'a pas aidé. Elle a certes fait des recherches remarquables sur la synesthésie, mais elle donne la définition de la synesthésie étant un trouble. Et bien évidemment, il n'en est rien, puisque c'est seulement une manière différente, une autre vision du monde. La synesthésie est une faculté à s'imaginer ou à se représenter des liens entre différents sens et des éléments concrets. Celle-ci peut être très vaste et variée. Elle peut concerner le toucher, l'odorat, l'ouïe ou encore les mots, les idées ou les concepts. Plus clairement, ce sont des liens établis entre des éléments abstraits et concrets qui finalement ne se résument pas qu'au sens. À noter que cette faculté ne résulte pas d'un choix d'association, mais est purement naturelle et inconsciente. Je prends un exemple au hasard, quelqu'un qui vous dit « je perçois la lettre B comme bleu » car le B est la première lettre du mot bleu, n'est pas forcément de la synesthésie. C'est peut-être lui qui a fait des associations d'idées. Ça peut être le cas, exceptionnellement, on peut être influencé par des facteurs comme celui-ci, mais ce n'est pas ce qui définit la synesthésie. Elle peut résulter d'expériences liées à notre vie ou tout simplement à des sensations qui sont personnelles. Les individus considérés comme « sains », entre guillemets, sont souvent étonnés quand un individu synesthète évoque son ressenti, alors que le synesthète, au contraire, est étonné que chaque sens reste à sa place chez un individu « sain ». Sain, entre guillemets, voilà quelque chose encore qui sonne assez péjoratif chez les synesthètes qu'ils seraient malsains. C'est un peu bizarre, voilà. Encore une fois, c'est une autre façon de fonctionner. J'aime évoquer ce genre de phrases qui disent « Pour moi, le prénom Amélie est jaune comme le soleil, c'est naturel. » Ou alors « Il est aussi limpide pour moi que le lundi soit jaune au même titre que le ciel soit bleu ou que l'herbe soit verte. » À noter également que le terme « voir des couleurs ou des formes » n'est pas à prendre au sens propre. Il ne s'agit en aucun cas d'hallucination, mais de représentation mentale. Différentes formes de synesthésie existent. Le subconscient peut établir des liens entre des couleurs, des formes, des mouvements et trajectoires, des sensations, des goûts ou même encore des genres. Par exemple, les jours de la semaine, les mois, les chiffres, les pronoms et même les prénoms peuvent être associés à des couleurs, des formes, des mouvements et trajectoires, des sensations, des goûts, des genres, etc. Mais également dans le sens inverse. Les goûts, les mouvements, les trajectoires et les sensations peuvent être associés à des prénoms, des couleurs, des genres, etc. etc. Et il en va de même pour l'ouïe. Et en parlant d'ouïe, on pense souvent à la musique. La musique peut provoquer en nous de multiples sensations très subtiles et souvent trop subtiles pour les expliquer ou les illustrer clairement.
La synesthésie provoquée par une musique est aussi riche que la musique peut l'être. Sur un simple segment de morceaux de musique, mille et une sensations et représentations mentales peuvent être provoquées. Des couleurs, des formes, des mouvements. Tout cela peut être très flou, très vague, très subtil chez le synesthète. J'aime cette comparaison que l'on peut faire avec le fait de fermer les yeux, ce que l'on peut voir quand on ferme les yeux, ou que l'on est dans le noir, et qui n'est pas total mais qui crée des sortes de taches, de couleurs, de formes, de lumière, d'où la difficulté chez le synesthète d'illustrer ou expliquer clairement ce qu'il voit ou ressent. La synesthésie est un phénomène qui consiste en un liage sensoriel et inhabituel dans lequel certains stimuli évoquent automatiquement une perception additionnelle d'une expérience gustative lors de la perception d'un mot ou encore de la vision de forme lors de la perception d'un goût. Ce phénomène attire l'attention de la communauté scientifique dès le 19e siècle. Il semble important de différencier la synesthésie d'associations temporaires. Des expériences synesthésiques ont été observées chez les patients souffrant de lésions cérébrales ainsi que chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Des effets médicamenteux semblent également produire des expériences similaires comme la mescaline ou le LSD qui ont été testées sur des individus en parfaite santé. Le poète français et membre du club des Hachichines Théophile Gautier nous apporte cette expérience. Mon ouïe s'était prodigieusement développée. J'entendais le bruit des couleurs. Des sons verts, rouges, bleus, jaunes, m'arrivaient par ondes parfaitement distinctes. Un verre renversé, un craquement de fauteuil, un mot prononcé tout bas, vibrait et retentissait en moi comme des roulements de tonnerre. Chaque objet effleuré rendait une note d'harmonica ou de harpe éolienne. Ces types d'expériences sont de véritables expériences synesthésiques, mais en cas de prise de drogue, le phénomène se déroule uniquement durant le trip et s'arrête directement quand celui-ci est terminé. Nous appelons ce genre d'expérience la synesthésie développementale. Le qualificatif développemental est en lien avec le fait que la plupart des synesthètes rapportent que ces associations ont toujours été présentes depuis aussi longtemps qu'ils s'en souviennent. Mais comme je vous disais, l'explication scientifique sonne malheureusement quelque peu péjorative, car l'on considère cela comme un désordre neurologique dans la communauté des sciences. En effet, des études ont montré qu'une hyperactivité dans la partie du cortex dévolue à la vision pourrait être la cause de ce trouble. Et pour valider cette hypothèse, des chercheurs de l'université d'Oxford ont mené une expérience qui consiste à stimuler le cortex visuel de volontaires sains ainsi que de synesthètes. Malsains. Super, merci. Ils ont constaté que les non-synesthètes nécessitent une stimulation trois fois plus importante que les synesthètes pour expérimenter des phosphènes, des flashs lumineux ou des taches qui apparaissent dans le champ visuel. Le mot « trouble » est couramment utilisé, malheureusement, et pourtant, il est rare que la synesthésie s'avère handicapante. Elle favorise même l'imagination et la sensibilité des artistes. Alors moi, ce que je pense personnellement, c'est que tout individu, même celui considéré comme « sain », a un peu de synesthésie en lui. Des expériences et études ont été menées récemment, à savoir l'effet Dorian Gray. Et c'est ce phénomène-là qui me fait penser que tout le monde doit avoir un petit peu de synesthésie en lui. Cette étude de l'effet Dorian Gray suggère l'hypothèse qu'un prénom déteindrait sur un visage qui le porte, ce qui amènerait à la conclusion qu'il serait plus ou moins évident de deviner le prénom de quelqu'un en se basant seulement sur le physique. 8 études dans plusieurs cultures différentes ont été effectuées. Elle consiste à présenter 4 individus au visage neutre à un groupe de personnes à qui l'on demande de deviner leur prénom. Un pourcentage élevé de réussite dans les 8 études a été constaté. La majorité des personnes ont trouvé les vrais prénoms de chaque individu. L'explication, qui reste encore relativement floue, est basée sur les stéréotypes liés aux prénoms que chacun d'entre eux peuvent connaître et qui, dans une majorité des cas, sont similaires. Et j'ai pu expérimenter cela à 2 reprises sur internet, j'ai eu un sans faute. Un prénom est abstrait, un visage est concret. Donc nous pouvons penser que allier les deux, en se basant uniquement sur sa perception, puisse peut-être être un phénomène synesthésique. Tout individu, synesthète ou non, s'est déjà amusé à deviner le prénom de quelqu'un. Non pas seulement dans le but de jouer, mais aussi car il y a un ressenti qui opère. Ce qui laisse supposer qu'il y a peut-être une sorte de synesthésie commune. Plus convaincant encore, des études ont également été menées sur le fait de présenter à plusieurs groupes de personnes deux formes ou taches de couleurs différentes et deux prénoms auxquels les rattacher. Il se trouve qu'il y a eu là aussi un grand pourcentage de réponses identiques,
ce qui favorise encore une fois l'hypothèse de la synesthésie commune. Les différentes variétés de synesthésie sont multiples et variées. Plus de 60 types différents ont été recensés. Certains synesthètes perçoivent des couleurs pour certains goûts alimentaires, d'autres évoquent une expérience gustative lorsqu'ils écoutent de la musique, et d'autres encore entendent des sons lorsqu'ils sentent une odeur. Certaines formes de synesthésie ont été plus étudiées que d'autres dans la littérature scientifique. Principalement la synesthésie dite graphème couleur, qui concerne environ 64% de la population synesthésique. Il s'agit là de l'audition colorée, environ 15%, et des séquences spatialisées, environ 10 à 15%. La synesthésie dite graphème couleur concernait environ 1% de la population en 2006. Dans cette forme de synesthésie, des graphèmes, à savoir des chiffres et ou des lettres, évoquent une couleur. Je suis moi-même concerné par ce type de synesthésie, bien que j'en ai une autre. Alors en ce qui me concerne, je suis moi-même graphème couleur et je vais vous donner le plus d'exemples possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, etc. Chez moi, tous les chiffres ont une couleur spécifique de 1 à 10 et à partir de 11, ça recommence par dizaines, le 11 ayant la même couleur que le 1, le 12 du 2, etc. Et donc c'est ancré en moi, c'est comme ça, le 3 c'est du bleu, il n'y a pas d'autre solution possible, on me dit 3 en vert, je vous regarde avec des billes comme ça, mais c'est normal, chacun a sa synesthésie. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça marche aussi avec les prénoms. Thomas, Nicolas, Chloé, Camilla, Antonin, Tristan, Valentin, Benjamin, Maxime. Avec peut-être une légère différence puisque les prénoms peuvent être influencés par les gens que l'on connaît. Moi personnellement, je me rends compte que la couleur de cheveux y joue beaucoup. Par exemple, le prénom Nicolas, je pense avoir rencontré plus de gens s'appelant Nicolas avec des cheveux blonds ou clairs. C'est pour cela que mon Nicolas est jaune. Le prénom Nicolas, bien sûr. Notamment Valentin étant vert, je pense que c'est aussi influencé par le V étant la première couleur. La première lettre de la couleur verte. L'association avec des genres, c'est très particulier. Moi, je l'ai également, je ne saurais vous expliquer d'où ça vient, encore une fois. De la synesthésie, évidemment. Mais je m'en suis rendu compte très très tard, encore plus que le graphème couleur. Le 1, par exemple, c'est du masculin. Le 2, c'est du féminin. Le 3, c'est du masculin. Le 4, c'est du masculin. Le 5 et le 6 est du féminin. Le 7 est du masculin. Le 8 est du féminin. Le 9 est du masculin. Le 10 est du féminin. Lundi féminin, mardi masculin, mercredi masculin, jeudi masculin, vendredi masculin, samedi masculin, dimanche masculin. Et une majorité de mecs dans la semaine quand même. L'audition colorée, tout comme la synesthésie dite graphème couleur, provoque chez certains synesthètes une association de perception colorée à l'écoute d'un son quelconque ou d'une musique. Galton fut le premier à avoir évoqué la notion des séquences spatialisées. Il peut s'agir d'associations de chiffres arabes, de lettres, de l'alphabet, des jours de la semaine ou des mois, mais également des formes plus rares comme les pointures de chaussures, les airs historiques, les chaînes de télévision, le système de caste indien et bien d'autres. Grâce au bon nombre d'études liées à la synesthésie, certaines caractéristiques ont été mises en avant. Elles ont essentiellement pour but de différencier les synesthètes des non-synesthètes. Ah, non synesthète et non pas individu sain et malsain. Certains tests servent à mesurer la constance des associations synesthésiques au cours d'une certaine période. En 1987, Baron Coed, Wyke et Binney développent un test visant à mesurer la constance test-retest des associations, ce qui permettrait selon eux de confirmer la présence d'une véritable expérience synesthésique. Lorsque l'on demande à des synesthètes de faire part de leur association, ils présentent des scores de constance très élevés en comparaison avec des individus non synesthètes. Un exemple pris au hasard, un individu synesthète qui se représentera la lettre O en bleu l'apercevra toujours de cette même couleur. Alors qu'un non synesthète, bien qu'il puisse associer également un O au bleu, cela restera par association d'idées. Par exemple, O égale de l'eau, donc l'eau est bleue. Une des premières études à avoir vérifié empiriquement la constance des associations synesthésiques est celle de Baron Cohen.
Les auteurs ont demandé à 9 synesthètes et à 9 sujets de contrôle d'indiquer leur propre association de couleurs pour une liste de 130 mots et lettres. Les participants n'avaient pas été prévenus qu'ils seraient réexaminés. Retestés un an plus tard, les synesthètes présentèrent un taux de constance moyen de 92,3%, tandis que les sujets de contrôle, retestés seulement une semaine plus tard, n'atteignent en moyenne que 37,6% de taux de constance dans leur association. Origine de la synesthésie. Il y a tout d'abord les facteurs génétiques, l'influence de la génétique sur la probabilité d'hériter du ou des gènes responsables de la synesthésie. Des spécificités cérébrales provoqueraient ce phénomène. Cependant, la culture et l'environnement pourraient influencer la formation des associations synesthésiques. La prévalence de la synesthésie serait plus importante au sein d'une même famille. Baron Cohen, en 1996, a constaté qu'environ un tiers des synesthètes examinés connaissaient un autre synesthète au sein de sa famille. Barnett, en 2008, obtient des résultats similaires. De par sa plus forte prévalence au sein d'une même famille, la synesthésie semble donc avoir une base génétique. Les premières études de Cornaz, en 1851, concluent que la synesthésie devait être plus fréquente chez les femmes, car Gall avait proposé que le sens traitant de la couleur fût plus développé chez les femmes. Cela aurait été conclu du fait que les chercheurs n'ont pas observé de cas de transmission de la synesthésie d'un père à son fils. Mais plus récemment, en 2009, Asher a apporté deux cas de transmission de la synesthésie de père en fils, ce qui contredit cette hypothèse. Il est démontré que les membres d'une même famille peuvent présenter des formes différentes de synesthésie. La tendance à présenter une synesthésie serait donc génétique, mais le sous-type précis de synesthésie présenté par un individu donné pourrait dépendre de facteurs environnementaux et ou culturels. Justement, venons-en aux facteurs environnementaux et culturels. Dans la synesthésie graphème couleur, il est apparu selon plusieurs études que certaines lettres sont plus fréquemment associées à certaines couleurs, bien que cela soit propre à chaque individu. Les adultes non synesthètes n'ont pas d'association forte entre les lettres et les couleurs, mais lorsqu'on leur demande de faire un choix, certaines lettres sont plus fréquemment reliées à une couleur que d'autres. Il existe plusieurs hypothèses à cela présentées par Rich en 2005 qui ont constaté que la première lettre du nom d'une couleur semblait influencer le choix de la couleur associée. Mais il y a aussi de nombreuses exceptions à cela, comme le fait qu'aucune association significative n'ait été trouvée entre la lettre O et la couleur bleue ou entre le P et la couleur orange. Il semble donc que cette hypothèse ne soit pas suffisante pour expliquer les correspondances de couleurs associées à des graphèmes, tant chez les synesthètes que chez les non-synesthètes. Une seconde étude a démontré qu'il est également possible que les couleurs synesthésiques soient, mais seulement en partie, influencées par les couleurs utilisées dans les livres pour enfants. Et enfin, une troisième hypothèse propose que l'organisation corticale sensorielle lierait certaines formes à des couleurs spécifiques, mais que l'apprentissage de la lecture induirait des associations supplémentaires. Les avantages à être synesthète. La synesthésie a souvent été mentionnée comme étant un sixième sens ou comme un type de perception extrasensorielle. Mais en réalité, il s'agit plutôt d'un groupement de plusieurs sens préexistants. C'est simplement une manière différente de voir le monde. Le paradoxe réside dans le fait que les perceptions synesthésiques sont considérées comme normales par les synesthètes, bien que ce ne soit pas le cas pour les non-synesthètes. Pour chaque synesthète, le fait d'apprendre que ses perceptions ne sont pas celles de tout le monde est souvent une découverte surprenante. Et ça, je peux vous l'affirmer. Moi, je pensais que tout le monde voyait la lettre L ou en gris, comme moi, ou le N en orange. C'est assez tard, bon, j'étais enfant encore, mais c'est assez tard que je me suis rendu compte que tout le monde ne voyait pas cela comme ça. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de synesthètes ignorent qu'ils le sont. Et oui. Pour un synesthète qui n'est pas au courant qu'il existe des non-synesthètes, ce n'est pas normal de ne pas percevoir tout ça. Yarrow et Ward, en 2007, démontrent avec certaines expériences que les synesthètes graphème couleur obtiennent de meilleures performances dans des tâches de mémorisation de couleurs et dans certains tests de créativité. Le domaine de l'art a énormément participé à la connaissance de la synesthésie. En effet, beaucoup de synesthètes sont artistes, souvent en quête spirituelle. C'est le cas de Vasily Kandinsky, qui est considéré comme fondateur de l'art abstrait. Ce n'est certainement pas pour rien, car en effet, les visions synesthètes sont très souvent comparables à de l'abstraction, bien que cela soit probablement discutable étant donné que la synesthésie est propre à chacun.
Kandinsky, musicien également fasciné par la puissance émotionnelle de la musique, découvre notamment avec une œuvre de Wagner que la peinture et la musique convergent. Françoise Roy Gerbeau résume ainsi l'intention créatiste de Vasily Kandinsky. Pour accéder à la nécessité intérieure, l'artiste doit se servir de tous ses sens, tourner vers sa vie intérieure, tous les procédés mis à sa disposition, autorisés ou non, pour atteindre sa profonde extase mystique. Dans le courant des ciné-peintres, on peut retenir Charles Blanc-Gatti, qui s'intéresse à la synesthésie. Il fonde alors, avec le peintre Henri Valenzi, le musicalisme, courant artistique qui consiste à allier des images au son. Son premier film d'animation, L'Orchestre, semble être novateur et la particularité de reproduire dans l'image certaines caractéristiques de la musique. Et pour anecdote, Walt Disney fut soupçonné d'avoir plagié son travail pour le dessin animé Fantasia 1940. Henri Valenzi, quant à lui, réalise un court-métrage alliant film et peinture s'intitulant Symphonie printanière. Mais plagiée ou pas, l'œuvre de Walt Disney Fantasia 1940 reste intéressante, particulièrement la première partie qui consiste à illustrer l'œuvre musicale de Jean-Sébastien Bach, Toccata and Fugue en Ré mineur. En effet, ce fragment du film est purement synesthète, alliant les couleurs à la musique, mais aussi aux formes et aux mouvements. Et il en va de même pour le film Fantasia 2000, produit par Roy Edward Disney, dans lequel le premier segment présente aussi des animations synesthètes sur l'œuvre musicale Symphonie numéro 5 de Beethoven. Une tentative personnelle d'expérience synesthésique, donc je vais vous dévoiler, entre guillemets, vous allez voir pourquoi, une de mes synesthésies perçue sur un morceau de batterie que j'avais avec un morceau tout court de rock progressif sur lequel je joue de la batterie que j'avais avec un groupe de rock que j'avais il y a quelques années. C'est une composition musicale à laquelle j'ai participé en tant que batteur. C'est avec cette musique que j'ai tenté d'illustrer ma synesthésie ressentie sur ce morceau. Alors comme je l'expliquais auparavant, c'est très difficile pour un synesthète d'évoquer, d'illustrer sa synesthésie, étant donné que les représentations synesthésiques sont très souvent floues et vagues. Voilà, encore une fois, si vous voulez un exemple assez concret, vous fermez les yeux, vous voyez toutes les tâches. Alors c'est souvent bien plus coloré et complexe que ça, mais ça vous donne une idée de la perception très floue qu'il puisse y avoir. Donc c'est bien une tentative de représentation synesthésique, ce n'est qu'une idée approximative, très 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 approximative, de ce que je peux me représenter réellement, mentalement. Et donc évidemment elle est loin d'être identique, surtout que bon, je voulais faire ça en peinture à la base. Mais la synesthésie étant plutôt quelque chose d'abstrait, moi je ne suis pas dans l'abstrait, vous voyez là derrière j'ai des peintures à moi. Bon, l'abstrait, a priori, faudra que je teste plus, mais c'est pas trop mon truc. Et je voulais pas cette fois-ci me lancer dans l'abstrait, donc j'ai voulu faire ça avec Photoshop. Seulement Photoshop, je gère tout ce qui est collage, mais absolument pas le dessin. D'autant plus que c'est pas le meilleur logiciel pour faire du dessin. Du coup, c'est une représentation, encore une fois, très vague et surtout très simpliste de ce que je peux me représenter mentalement. Donc une alliance entre trois médiums, pratique musicale, pratique picturale et pratique vidéographique. Et donc elle a pour objectif, comme vous l'aurez compris, d'illustrer ma synesthésie ressentie sur ce morceau de musique, de par le fait d'alterner la mise en scène filmée, de la pratique instrumentale, à savoir la batterie, avec des animations picturales, à savoir de l'art digital, des représentations abstraites telles que des formes, des couleurs et mouvements. C'est parti, je vous laisse avec ce petit clip. Si vous voulez écouter le morceau en entier, puisque là il n'est pas en entier, je vous renvoie sur cette vidéo qui est déjà en ligne où je joue entièrement sur ce morceau sans représentation synesthésique. Je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez mon contenu. Et je vous dis à prochaine pour des nouveautés en peinture et autres. À bientôt.